mes petits chats, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. En fait, je sais pas si vous avez Instagram ou si vous avez Snapchat, donc pour les deux, c'est mon pseudo, c'est La Vie en Rose Pro. Et en fait, j'ai reçu un colis d'une d'entre vous, ma petite Nathalie, je t'aime d'amour, je te fais des gros bisous. Voilà, qui est complètement malade. En fait, mon message en fait de la dernière fois en fait en ce qui concernait ma situation perso l'a beaucoup touchée, et du coup elle m'a écrit une petite carte en me disant voilà plein de choses gentilles que j'ai pris en considération, qui me donne trop la force de continuer. Donc en fait tout est là, je vais vous présenter en fait tout le carton. Elle est grande, c'est une grande malade. Et tout ce qu'elle m'a envoyé en soutien en fait à la vidéo où je vous expliquais un petit peu nos soucis en ce moment. Je n'avais pas fait cette vidéo en pensant que quoi que ce soit m'arriverait de bon, hein, c'est clair. Surtout gardez vos sous, je vous le dis tout le temps, gardez vos sous, ne les dépensez pas pour moi, ne m'envoyez rien. Je vous mets quand même mon adresse de boîte postale en barre d'infos, mais c'est au cas où vous vouliez m'écrire une petite lettre, enfin jamais m'envoyer des colis comme ça quoi. Enfin, c'est un truc de malade mental ce qui m'arrive. Et je vous l'avais déjà dit en gros sur Instagram. Et donc on va commencer tout de suite parce que voilà, je suis trop contente de vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu. Alors c'est bien sûr un espèce de colis vide placard, mais après moi je me fiche puisque tout est désinfectable. Donc j'ai eu en premier dans ce petit colis une brosse. Alors je sais pas du tout où elle l'a eu. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est Action, quelque chose comme ça. Je l'ai déjà testée. Voilà, et elle se présente comme ça, avec, mais elle tourne en fait, et plus tu t'appuies, et plus ça va vite. Mais en fait, je trouve que, alors c'est super gentil, mais je comprends pourquoi elle n'a pas été emballée par cette brosse, parce qu'en fait, je l'avais mal rembouchée, vous voyez, et les poils, ils sont morts, quoi, déjà. Donc c'est tout, c'est pas grave, moi je suis contente de pouvoir l'utiliser, parce que effectivement les brosses comme ça, tout le monde en parle tout le temps, donc au moins je pourrais voir si ça nettoie aussi bien que ça. Et elle m'avait donné, donc elle m'a envoyé deux brosses supplémentaires. Donc même si celle-là elle fait la tronche, j'en ai une de rechange que je peux utiliser, voilà. Donc c'est des microfibres interchangeables, voilà, et c'est la marque Silken, donc je ne sais pas. Je peux pas vous dire où elle l'avait trouvé. Donc j'espère qu'elle pourra vous laisser en commentaire les endroits où trouver ces produits si ça vous intéresse toutefois de vous les procurer. Je vous montre en gros ce à quoi ça ressemble, et c'est blindé quoi. Enfin, il y en avait énormément. Il y avait donc ça, c'est elle l'a eu sur AliExpress, et j'en ai pas encore commandé un, mais c'est vrai que je me suis demandé si c'était effectivement quelque chose d'assez pratique ou pas. En fait, c'est un ustensile, un outil qu'on utilise pour bien calibrer son mascara et pas en mettre sur la paupière en fait. Donc ça peut être pas mal parce que t'en mets pas partout. Donc ça c'est un avantage. Alors je vais vous le déballer. Voilà, tu le mets comme ça au-dessus de ton sourcil, de ton cil, du dessus, pardon, sourcil. Et en fait, tu mets ton mascara. C'est pour éviter que ça bave de tous les côtés. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as une brosse. Donc, ça peut servir aussi à brosser les cils aussi, comme ça, voilà, pour être sûr que tu n'as pas de paquet. Donc, à tester, puis vous redire ce que j'en ai pensé. Parce qu'après, ça peut être gadget, mais ça peut être aussi super utile. Donc là, ma petite carte. Trop mimi. Je te fais des gros bisous. Voilà, c'est la petite carte secrète. Qu'elle m'a écrit, que c'est que pour nous deux. Ensuite, dans le colis, il y avait un rangement acrylique. Et vu que j'en ai pas chez ma belle-mère, donc ça tombait bien. Voilà. C'est super pratique. Donc je l'en remercie encore parce qu'honnêtement, j'étais comme une gamine en ouvrant tout ça. Et honnêtement, je suis trop trop contente. Voilà, c'est un truc de malade mental ce qui se passe. Je commence donc avec un premier. Paquet où il y avait The Goddess of Love, un alors moi je l'ai déjà gratté hein, parce qu'il était un peu cakey, donc voilà, pour pouvoir l'utiliser, c'est un des highlighters que je préfère de la marque Makeup Revolution, enfin
pas make-up revenu, mais heart make-up, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en gros, de Tam Beauty, à Love Make-up, pardon. Maintenant, vous pouvez les retrouver sur Tam Beauty. Ils sont aux alentours de 7 euros. Donc voilà. Et vraiment, j'adore. Et je l'ai déjà, mais comme ça ira chez ma belle-mère. Attends, j'adore tellement que je vais m'en mettre un peu. Voilà. Pour que vous voyez bien comment ça fait. J'adore. Franchement, j'adore. De toute façon, les highlights, en ce moment... moi, je m'en tartine et me retartine, donc voilà quoi. Tout simplement. Hop. Tu vois comment c'est beau. Donc voilà, ça, c'est un de mes chouchous de la mort qui tue, et je pense qu'elle aussi, puisque... alors qu'elle me dise, je sais pas, mais elle me répond pas. J'ai essayé de la voir sur Facebook et tout. J'arrive pas à la retrouver. Donc bien entendu, je compte t'envoyer, bien sûr, une réponse via ton adresse, parce que quand même, tu vois... ça, c'est un truc magique qui m'arrive, donc voilà. Donc on continue, parce qu'il y en a tellement que je peux même pas tout vous swatcher, parce que c'est pas possible. Le Brow Designer en châtain foncé de chez L'Oréal, que j'avais envie de tester en plus, donc ouais, je suis trop contente. Le Dark Kohl Mascara de chez Bourjois, je n'ai jamais testé, c'est un Beautiful Volume, donc ça, à voir ce que ça donne. La brosse, en plus il est neuf, la brosse, oh c'est une brosse bizarroïde. Voilà, en picot comme ça, deux boules. C'est deux boules. On va arrêter là. C'est deux boules. Ensuite, elle m'a envoyé le Frat Boy de The Balm. Je ne sais pas si c'est le vrai, mais il est canonissime. Vraiment canon. Donc, je suis très contente, même si c'est le faux. Je ne sais pas, parce qu'elle m'a envoyé quelques trucs d'AliExpress. Donc, après moi, peu importe que ce soit vrai ou faux, elle m'a vraiment hyper gâtée. Donc, c'est un truc de grand malade mental. Comme je vous le dis. Ensuite, je vais passer vite parce que sinon on s'en sort pas. C'est le Studio Secret. Donc en teinte 511. Le Boba Pata. Les yeux marrons. Voilà, tout simplement. Il se présente comme ceci. C'est un peu un irisé. Après, elle m'a mis un PB Cosmétique. Donc c'est un duo comme ça. Voilà, c'est un violet un peu prune avec un beige corail. Ensuite, elle m'a mis le Bourjois, le High Pearls, en teinte 62, le Illusion. Voilà, un peu en teinte... j'adore ces teintes. Un peu violacées. Ensuite, elle m'a mis le L'Oréal Chrome Shine, en teinte 167, le Sand Lamé. Donc, c'est un doré. Voilà, on voit plus le packaging que le produit. Ensuite, elle m'a mis une mini de Dior. Voilà, tout mini comme ça. Et ça, c'est génial quand tu veux mettre dans le sac à main que t'as pas le temps. Tu prends comme ça. Bon, après, il faut des petits pinceaux pour travailler avec. Mais franchement, sublime. Merci beaucoup. C'est trop sublime. Le 970, le Stylish Move. Ensuite, elle m'a mis de Calvin Klein. Voilà, ça se trouve notamment chez Action. C'est le magnifique 116, le Vanilla Cream. Donc voilà, il est comme ça. Ils sont hyper pigmentés. Je les aime beaucoup. C'est un mat. Vous voyez ce qu'il rend. Il rend sublime. Voilà. Donc, je te remercie. Franchement, t'aurais pas dû. Enfin, c'est un truc de malade ce qui m'arrive. J'arrête pas de le dire, mais c'est ouf. Ensuite, le Color Appeal Trio Pro Special Yeux Verts, le 402 Addictive Plum. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a le petit, voilà, le petit tampon. Et puis, c'est un rosé violet. Ensuite, on a... les pigments Bella Pierre. Alors là, tu pouvais pas me faire plus plaisir, parce que j'ai les tours Bella Pierre, mais les pigments comme ça, je les adore de trop. Et là, c'est le Peony, le Bronzer Illuminating, mais honnêtement, voilà quoi. C'est... oh, il faut que je le swatch. Il est trop canon. Et il se trouve ici. Ici. Voilà. Je ne sais pas s'il se verra. De toute façon, s'il se voit pas, c'est pas grave. Vous l'aurez ici, sur l'annulaire. Voilà. Ensuite, un Chanel. Voilà, un trio comme ça. Il est trop magnifique. Donc, là, le vert émeraude est super sympa. Et avec le doré, ça va super bien. Donc, oui, je suis très contente. Et c'est le 94 reflet d'ombre. Donc, je ne sais pas si c'est AliExpress ou si c'est un autre. Mais dans tous les cas, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, le Lollipop Paris,
C'est un super eyeliner. Il a l'air magnifique. Voilà, il se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Il est sublime. Alors, il est marron avec des reflets un peu chocolat. Voilà, il donne ça. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, et c'est la teinte 751 Pearly Brown. Après le Better Than Sex en version waterproof. Et il est. Non, il n'est pas neuf. Voilà, tout petit, comme ça. Donc je connais la version normale, mais qui ne me fait pas non plus exploser, péter un câble, hein, on va dire. C'est pas non plus un des mes top. Ça, c'est les petits Sephora. Vous savez, les petits ombres mono que vous avez pour votre anniversaire. Donc, c'est le Movie Popcorn et je les adore. Ma mère les a. Parce qu'en fait, l'année où ça, c'était il y a 2-3 ans, pour les porteurs de la carte. La noire, je crois. Eh bien, vous aviez ça pour votre anniversaire. Et moi, en fait, je les avais offerts à ma mère. Sauf que j'ai regretté rapidement vu les beaux texés. Donc, je suis trop contente. Donc, celui-là, c'est le Movie Popcorn 72. Après, il y a le Beyond the A-List, le 49. Là, c'est un chocolat un peu. Mais trop beau. Je suis trop contente. Oh, je suis trop contente, ma chérie. Si tu savais. J'en pouvais plus. Pendant au moins 2 jours, j'ai sauté partout, tellement j'étais heureuse. Alors, ma belle-mère, ma mère en ont entendu parler. Hein. Et celui-là, c'est le It Bag, le 80. Voilà, c'est un peu un chocolat hyper irisé. Donc, tout le monde en a entendu parler. J'ai saoulé tout le monde avec ça. Je n'en peux plus, je pisse partout. C'est un truc de malade ce qui m'arrive. Ensuite, un autre pigment Bella Pierre, c'est le bronze, donc le SP009. Et celui-là, c'est un bronze, il est magnifique aussi. Enfin, franchement, sublime. Donc là, les Bella Pierre, moi, j'adore. Vraiment, c'est des must-have pour moi. Après, le City Color en Gold Light. Donc là, c'est aussi un pigment. Il est très jaune. Donc, voir après ce que tu peux faire avec ça. Donc, on verra bien. C'est le. Ouais, je ne sais pas, il n'y a rien d'écrit dessus. Ensuite, je passe à un pigment. Donc, The Body Need. I don't know. It seems like this. Donc, ça a l'air d'être un. Voilà, c'est un rosé un peu comme ça. J'aime beaucoup la couleur aussi. Donc, ça, c'est des petits échantillons. C'est super pour tester. Ensuite, le. Aphrodite Powder, donc ça c'est pareil, c'est de l'Ipsy, je sais pas quoi, donc c'est un pigment aussi très clair, beige, donc c'est le, voilà, de l'Ipsy Cosmetics, je ne connais pas du tout. Ensuite, de, je sais pas, voilà, non, je sais pas, c'est The Body Needs aussi, un autre pigment assez jaune comme ça, plutôt ocre, et si j'en mets pas partout, c'est le Apricot Glow. Donc, sympa aussi. Mais je vous ai dit qu'elle m'en a mis de trop, c'est un truc de ouf. Là, c'est le Bacon Bronze. Donc, The Body Needs Two. Voilà, il est. Oh, il est trop, il a l'air trop canon. Il a plein de paillettes dorées à l'intérieur. Donc, voilà, un bronze aussi. Un bronze marron. Ensuite, un pigment de malade de chez Make Up For Ever en teinte dorée comme ça. Je ne l'ouvre pas parce qu'il est neuf, mais il est propre. Celui-là, il est canonissime. Et puis il y en a encore, hein. Donc est-ce que là c'est bon? Est-ce que j'en ai oublié? Donc voilà la première poche qui était remplie. Dans ce carton-là, il restait donc un Wood Eyeliner Pencil, mais c'est de AliExpress, mais il est hyper pigmenté, il est là, il est magnifique. Donc ouais, je suis contente. En plus, j'ai fait pas d'allergie, donc ça va, moi ça me dérange pas. Ensuite, le Kohl & Contour plus 45% de chez Bourjois, le Noir Expert XL. Donc, ouais, il est vraiment noir. Il est plus noir que celui d'à côté. Hein. Donc, 16 heures tenue et confort. Donc, on verra bien. Merci, ma douce. Purée, mais c'est un truc de malade mental ce qui se passe. J'arrête pas de le répéter, mais. Ensuite, le Lord & Barry de lordandberry.com. Le Strobing Pencil, le 1153. Ah oui, c'est Strobing Pencil. Hein. C'est pour les yeux. Mais il est magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez. Il est trop beau. Il est rose un peu pâle comme ça. Ensuite, j'ai le Water Resistant Top Coat for Lash and Brows. Donc oui, voilà, c'est un petit goupillon où tu peux faire... c'est transparent. Où tu peux faire les...
les sourcils et les cils. Donc ça, c'est nickel. J'ai hâte de tester. C'est de la marque Laura Geller. Il y avait une vente sur vente privée il n'y a pas longtemps, il me semble, de cette marque-là. Et ensuite, les Studio Secret. Donc, ça aussi, c'est pour moi des indémodables. Le 370, c'est le pour les yeux verts. Ils disent pas plus. Donc voilà, c'est un taupe un peu violacé. Et le 300, le 571, pardon. Et ça, c'est un gris. Voilà, un gris. Oh, ça va vachement bien avec. C'est exactement la même couleur que mon cadre. Tu vois le truc? Que j'ai acheté exprès pour que vous ayez un bel arrière-plan et tout. Donc ça, c'était pour la première boîte Glossy Box qu'elle m'avait mis à l'intérieur. Non mais il y en a trop, 17 minutes, c'est énorme.